Les frères Grimm, le fiancé voleur. Il était une fois un meunier qui avait une fille splendide, et lorsqu'elle fut devenue une belle jeune fille, il voulut qu'elle fût bien dotée et bien mariée. Ainsi pensait-il. Qu'il advint un gentilhomme acceptable et qu'il la trouva à son goût, et je la lui donnerais volontiers. Bientôt vint un gentilhomme qui passait être très riche et sans que le meunier ne sût rien de lui, il lui promit sa fille. Mais la fille ne l'aimait pas comme une promise doit aimer son mari, et elle ne lui faisait nullement confiance. Chaque fois qu'elle l'observait, ou chaque fois qu'elle pensait à lui, son cœur s'assombrissait. Un jour il lui parla. Tu es ma promise, et jamais tu ne me rends visite. La fille lui répondit. J'ignore où se trouve votre demeure. Le fiancé annonça ma maison est dans la sombre forêt. Elle chercha des faux fuyants et expliqua qu'elle ne pouvait pas trouver le chemin. Le fiancé dit. Dimanche prochain tu dois me rendre visite. J'ai déjà lancé les invitations, et pour que tu puisses trouver ta route, je marquerai le chemin avec de la cendre. Lorsque le dimanche vint, comme la jeune fille devait prendre la route, l'angoisse l'étreignit, et sans savoir pourquoi elle même, pour marquer son chemin, elle s'emplit les deux poches avec des lentilles et des pois. À l'oreille du bois, de la cendre marquait le chemin, tandis qu'elle avançait et jetait sur le sol de droite et de gauche une paire de lentilles à chacun de ses pas. Le jour passa vite jusqu'à ce qu'elle se fût rendue au milieu de la forêt où c'était le plus sombre. Là se tenait une maison solitaire qui lui déplut tellement elle semblait inamicale et obscure. Elle entra, mais personne n'était à l'intérieur, et un silence pesant régnait. Soudain une voix appela. Va t'en, va t'en, jeune fiancée. Tu es dans la maison d'un meurtrier. La jeune fille leva les yeux et vit que la voix était celle d'un oiseau qui était dans une cage suspendue au mur. À nouveau il s'écria. Va t'en, va t'en, jeune fiancée. Tu es dans la maison d'un meurtrier. La belle fiancée alla d'une pièce à l'autre dans toute la maison, mais tout était vide, nulle âme qui vive. Enfin elle pénétra dans la cave. Là se tenait une vieille femme qui balançait la tête. Ne pouvez vous me dire si mon fiancé habite ici? Hélas. Pauvre enfant, répondit la vieille, où t'es tu fourré? C'est ici la demeure d'un meurtrier. Tu prétends être la fiancée qui doit se marier bientôt, mais tu épouseras la mort. Vois tu ici j'ai dû remplir un chaudron avec de l'eau. Lorsqu'ils t'ont en leur pouvoir, ils te réduisent en petits morceaux sans pitié, et ils te cuisent et te mangent, car ce sont des mangeurs d'hommes. Si je n'avais pas pitié de toi et si je ne te sauve pas, alors tu es perdu. Là-dessus, la vieille la mena derrière un grand tonneau, afin qu'on ne puisse la voir. Sois sage comme une petite souris, dit-elle. Ne t'agite pas et ne bouge pas, ou tu es perdu. Cette nuit, lorsque les voleurs dormiront, nous fuirons. Il y a longtemps que j'attendais une occasion. À peine fut-il fait que la bande revint à la maison. Ils amenaient une autre jeune fille avec eux. Ils avaient bu et n'entendaient pas ses cris et ses plaintes. Ils lui donnèrent du vin à boire, trois verres pleins un de vin blanc, un de vin rouge, et un verre de vin jaune qui lui creva le cœur. Là-dessus, ils lui ôtèrent sa fine robe, l'allongèrent sur la table, découpèrent son joli corps en petits morceaux, versèrent du sel dessus. La pauvre fiancée tremblait et flageolait derrière le tonneau lorsqu'elle vit à quel destin les bandits la promettaient. L'un d'eux remarqua l'anneau d'or que la pauvre fille portait au petit doigt mais comme il ne se laissait pas retirer facilement, il prit une hache et coupa le doigt mais le doigt vola en l'air par dessus le tonneau et tomba dans le corsage de la fiancée. Le voleur prit une lanterne pour le chercher mais ne put le trouver Un autre dit As-tu aussi cherché derrière le grand tonneau Mais à cet instant le plus vieux de la bande éructa Viens et mange nous chercherons demain le doigt ne partira pas les autres s'exclamèrent Le vieux a raison Ils abandonnèrent leur recherche et s'assirent pour manger La vieille leur versa un soporifique dans leur vin ils s'écroulèrent bientôt dans la cave. Ils ronflaient en dormant. Quand la fiancée entendit cela, elle sortit de derrière le tonneau et dut enjamber les corps endormis qui s'étalaient en rang sur le sol. Elle était effrayée elle ne voulait réveiller personne. Mais Dieu l'aida pour qu'elle pût réussir à passer. La vieille monta avec elle et ouvrit la porte, et elles s'éloignèrent aussi vite qu'elles le purent de la maison des meurtriers. Le vent avait éparpillé la cendre, mais les pois et les lentilles avaient pris racine et montraient dans la lumière de la lune le chemin. Elles marchèrent toute la nuit jusqu'à ce qu'au matin elles atteignissent le moulin. Alors la jeune fille raconta toute l'histoire à son père comme elle l'avait vécu. Lorsque vint le jour où le mariage aurait dû être célébré, apparut le fiancé. Le meunier avait invité tous ses amis et connaissances. Tandis qu'ils s'assirent à la table, chacun fut invité à raconter quelque chose. La fiancée restait silencieuse et ne dit rien. Alors le fiancé s'adressa à sa promise. Alors, mon cœur, ne connais-tu rien Raconte-nous une histoire. Elle répondit Je veux raconter un rêve. Je suis allée seule dans la forêt et j'arrivai enfin à une maison où il n'y avait nulle âme qui vive. Mais dans une cage qui pendait au mur, il y avait un oiseau qui cria Va-t'en, va-t'en, jeune fiancée, tu es dans la maison d'un meurtrier. Et il cria encore une fois Mon trésor, ce n'était qu'un rêve. J'allai alors dans chacune des pièces et tout était vide. Tout était inamical là-dedans. Je descendais enfin dans la cave où une vieille femme était assise et hochait la tête. Je lui demandais. Mon mari habite-t-il ici Elle répondit Hélas, pauvre enfant, tu es ici dans la demeure d'un meurtrier. Ton fiancé habite ici, mais il veut te tuer, te réduire en petits morceaux, te cuire et te manger. Mon trésor, ce n'est qu'un rêve Mais la vieille femme me cacha derrière une énorme barrique. Mais à peine étais-je cachée que les voleurs revinrent, entraînant avec eux une jeune femme. Ils lui donnèrent trois verres de vin à boire. Blanc, rouge et jaune, qui lui creva le cœur. Mon trésor, ce n'était qu'un rêve. Là, ils lui ôtèrent sa fine robe, découpèrent son joli corps sur une table et versèrent du sel dessus. Mon trésor, ce n'est qu'un rêve. Et l'un des voleurs vit que l'un d'eux remarqua l'anneau d'or que la pauvre fille portait au petit doigt. Mais comme il ne se laissait pas retirer facilement, il prit une hache et coupa le doigt. Mais le doigt vola en l'air par-dessus le tonneau et tomba dans mon corsage. Et voici l'anneau. À ces mots, elle le brandit à l'assistance. Le voleur, qui, pendant la narration, était devenu blanc comme un linge, bondit et voulut s'enfuir. Mais les invités se jetèrent sur lui, le neutralisèrent et le livrèrent au juge, ainsi que toute la bande pour audiocité.net sous la licence Art libre.